pisser dans un violon. Bon, on peut comprendre ça comme un peu le fait de sortir une fille de coucher une fille juive à l'intérieur. Bon, pour moi, pisser dans un violon, c'est éjaculer dans le mouvement. Ouais, c'est éjaculer dans le mouvement. Comment tu connais? Bon, je trouve un trou, je pisse dedans parce que j'ai envie de me libérer. Donc je vois un trou, par exemple, voilà un trou là-bas, je vois le trou, puis mes seins, je maille, je pisse dans le trou. Puisque les vaisseaux publics sont coûteux. De 5 francs à 100 francs, on va où? Donc si je trouve un trou là, je me mets à l'aise et puis je m'en vais. Moi, je pisse dans le caniveau, là, c'est propre. Je ne vais pas pisser dans les rues comme ça. Si c'est un caniveau à côté, je pisse là-bas, c'est tout. À côté des murs comme ça, là. Bon, en plus, c'est un violon, c'est bien sale, là. Oui, bon, c'est un peu ça, quoi. Si tu sais que souvent le pipi te sert, tu sais que vraiment, tout le temps, ça te sert. Il faut que ça te soigne, c'est qu'il y a quelque chose. Ça ne donne pas bonne santé à le public. Si tu veux pisser, tu vas dans le WC public, tu payes, tu pisses, ça c'est mieux. Violon, ça a dit sachet, c'est pas bon.